Salut tout le monde, nous sommes le 21e jour et il est temps que je lance le fameux concours dont j'avais parlé au début du défi. Commençons par les choses les moins intéressantes, commençons par les conditions pour pouvoir participer au concours. Être abonné à ma chaîne, logique. Concours ouvert à l'international. Si vous êtes portugaise, népalaise, islandaise ou islandais, américain ou américaine, québécois ou québécoise, italien ou italienne, sicilien ou sicilienne, africain ou africaine, et un peu tout le monde, voilà, vous avez compris, ouvert à l'international. Je ne mets pas de limite d'âge, tout ce que je vous demande, c'est si vous avez moins de 18 ans, être sûr et certain de pouvoir me donner votre adresse postale. Donc demandez bien à vos parents s'ils sont bien d'accord pour que j'aie votre adresse postale. Logique si je dois vous envoyer des lots. Quatrièmement, je ne sais plus. Vous devez me laisser sous cette vidéo et exclusivement sous cette vidéo. Je ne prends pas de participation Facebook, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire sous la vidéo. Alors vous me laissez un commentaire en me racontant l'anecdote qui vous a le fait le plus rire chez vous. C'est-à-dire, il vous est arrivé un truc incroyable, ça vous a fait mourir de rire, racontez-le-moi. Faites-moi rire. Une seule participation par personne. Merci. Je vérifierai. Si je vois des doublons, si je vois des personnes qui vraiment exagèrent et me mettent plusieurs participations, je ne les bannirai pas, mais j'annulerai toutes leurs participations. Je trouve ça normal. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous arrêter. Je vous demande, s'il vous plaît, de me faire qu'un seul commentaire sous cette vidéo par personne. Merci, pendant toute la durée du concours. Concours ouvert jusqu'au 31 janvier, 23h59 et 59 secondes. Voilà. Le 1er février, à minuit. Ok, vous avez compris? Le concours sera fermé, je clôture. Voilà pour les choses un peu rébarbatives. Donc, soyez imaginative et imaginatif. Racontez-moi quelque chose qui vous est arrivé et ça vous a fait mourir de rire. Donc voilà, vous avez compris, la petite anecdote amusante sur vous ou sur un proche, mais vous c'est bien d'être présent, ce serait quand même mieux. Combien de gagnants y aura-t-il? Je pense qu'il y en aura deux. On verra. Pour l'instant, je me base sur deux personnes qui vont gagner. Comment je vais vous départager? Je ne vais pas choisir l'anecdote la plus amusante ou la moins amusante parce que c'est pas possible. Je pense que toutes les anecdotes auront quelque chose de très amusant. Donc ce que je vais faire, ce sera un tirage au sort, soit par random, si j'arrive à remettre l'ancienne version du YouTube, parce qu'avec la nouvelle c'est impossible, soit je m'amuserai à faire des petits papiers et je le ferai manuellement. Vous n'allez rien gagner. Vous n'allez gagner que mon estime. Oui. Non, je plaisante. Je plaisante. Participer à un concours pour ne rien gagner, je sais bien que c'est pas intéressant pour vous. Et puis pour moi non plus, ça me fait plaisir de vous offrir des choses. Vous allez gagner bien sûr des lots. Mais qu'est-ce que vous allez gagner? Sincèrement, je ne sais pas encore. Je n'ai rien à vous montrer maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire un petit peu en sorte que les gagnants, donc les deux gagnants que je vais tirer au sort, auront des petits cadeaux un petit peu à leur image. C'est-à-dire que, bon, je donne un exemple, si vous êtes dans un pays où vous n'avez jamais eu l'occasion d'acheter du Essence ou du Catrice, je vous en offrirai. Je trouve que c'est une chouette chose parce que moi je sais en avoir. Pareil, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de body shop, j'en ai un tout près de chez moi, je peux vous en offrir. Donc voilà, ce sera un petit peu un lot à la carte. Bon, évidemment, ne me demandez pas un caméscope, ne me demandez pas les nouveaux logiciels de montage. Je n'ai pas les moyens. J'espère que vous comprenez. Voilà, j'espère que vous avez compris le concept de mon concours. Donc, je n'ai rien à vous montrer. Je vous promets qu'il y aura des lots. Je n'ai jamais fait de concours sans donner de lots et tout le monde les a toujours reçus. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me faire confiance pour ça. On en discutera donc avec les gagnants, enfin on en discutera, j'en discuterai avec les gagnants qui me contacteront bien sûr, soit par MP, soit sur Facebook si vous avez, par après quand j'aurai fait le tirage au sort bien sûr, hein. Donc attendez, pas encore maintenant,
Et à ce moment-là, on verra. On verra ensemble ce que je pourrais vous offrir et ce sera avec le plus grand des plaisirs. Voilà, je vous laisse donc à vos petits commentaires, à vos petites anecdotes. Faites-moi rire, faites-moi sourire, faites-moi rêver, pourquoi pas. Bah, j'ai hâte d'être dans 10 jours pour pouvoir savoir qui va gagner le concours mystère. C'est un petit peu ça, c'est un peu l'élo mystère, donc on verra bien. Allez, je vous laisse avec vos claviers et je vous dis à très bientôt. Bien sûr, je ne répondrai à aucun des commentaires sous cette vidéo, c'est un peu normal. Puisque c'est le thème concours, je ne réponds à personne. Ne me posez pas de questions, je ne répondrai pas aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain et participez. Ciao.